Donc nous allons commencer ce mini-album par la structure. Donc pour ça, on va avoir besoin de 3 cartonnettes de 20,3 sur 20,3 cm. Donc vous voyez, j'ai mis des numéros 1, 3 et 5. Ça va être l'ordre dans lequel on va mettre les cartonnettes pour pouvoir faire le mini. Et j'ai deux autres petites cartonnettes qui font 20,3 cm sur 3,5, qui aura le numéro 2, et 20,3 sur 3,3 cm. Et là, j'ai mis le numéro 4. Donc tout simplement, quand on va venir les coller, vous voyez avec les numéros 1, 2, 3, 4 et la dernière 5. Donc là, du coup, pour pouvoir faire notre structure, je suis venue prendre deux feuilles A3, les grandes feuilles. Si vous n'avez pas de grandes feuilles A3, vous pouvez très bien prendre des feuilles A4, parce que là je vais les coller entre elles, donc ça va être le même principe pour des feuilles A4, puisque vous voyez, j'aurai pas assez de place pour coller toutes mes cartonnettes avec même avec une grande feuille A3, donc je vais avoir besoin de deux grandes feuilles. Donc je vais vous montrer comment je vais les coller. Si jamais vous n'avez pas de grandes feuilles à 3, vous prenez plusieurs feuilles à 4 et vous venez, avec le même principe, coller vos pages entre elles. Donc je vous montre tout de suite pour les deux grandes feuilles à 3. Donc je viens mettre du double face sur une de mes feuilles à 3, donc ici celle-ci. Donc j'enlève mon double face. Voilà. Je viens mettre un peu de colle. Alors moi j'aime bien mettre les deux, hein. Vous pouvez mettre que du double face ou que de la colle après. Voilà, comme ceci. Et je viens superposer mon autre feuille A3, du coup, par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai bien une. Alors, on voit pas tout. C'est un peu. Vous voyez, j'ai une grande feuille, du coup, blanche, donc deux à trois, l'une accrochée à l'autre. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire la même chose avec des feuilles à 4, du coup en collant. Là j'en ai que deux feuilles, mais vous en aurez quatre très certainement, donc vous pouvez le faire aussi comme ça en superposant. Donc quand vous superposez, la seule petite chose, c'est de ne pas venir coller votre cartonnette vraiment ou au niveau de la jonction des deux feuilles. Il faut vraiment que ce soit, voilà, voyez ici, vous avez la jonction. Il faut vraiment que vous ayez une cartonnette, alors peut-être pas en plein milieu, mais qu'il y ait une bonne partie de la cartonnette ici, voilà, qui soit loin de la jonction. Tout simplement pourquoi? Parce que si jamais vous la mettez là, on va venir plier. Si on plie ici, ça risque peut-être de. Enfin, vous avez beaucoup plus de chances que ça se décolle, en fait, tout simplement. Donc, faites bien attention quand vous allez coller vos cartonnettes. De, si vous avez plusieurs jonctions de feuilles, de bien coller vos cartonnettes au milieu de la jonction, enfin qu'il y ait une bonne partie, voilà, qui soit couverte du coup de la cartonnette, qui soit couverte, qui soit pas trop près du coup de la jonction. Donc on va venir coller maintenant nos cartonnettes. Donc pour commencer à coller, étant donné que la jonction de mes deux feuilles est ici, je vais coller directement la cartonnette du milieu, la numéro 3. Donc tout simplement, j'ai mis un petit peu de double face. Je vais mettre de la colle.
Donc ici, je colle bien. Moi, je vais la mettre au milieu puisque j'ai assez de place. Oups. Et juste là, je viendrai recouper après à la fin. Donc je mets bien en haut. Je laisse... je vais laisser combien à peu près? Hop. Ou un peu moins de 3 cm. 2,7 cm. Donc voilà, je viens coller ma première cartonnette. Donc là, je vais enlever les autres pour vous montrer. Ici, j'ai marqué mon pli. Je viens plier. Comme ceci. Je viens coller donc ma cartonnette pardon, numéro 4, puisque là j'ai la 3, donc celle qui va suivre, qui va être à droite. Donc ici, idem. Je viens mettre de la colle. Voilà. Donc je ne la colle pas directement à côté de ma cartonnette numéro 3, mais je laisse un espace. Donc alors, en général, moi je prends mon plioir et je l'utilise comme ça pour savoir à peu près l'espace. Mais en fait, la meilleure solution, quand vous avez collé, c'est vous allez refermer. Et vous allez voir, voilà, si ça se ferme comme ceci, c'est que vous pourrez ouvrir et fermer tranquillement votre mini par la suite. Laissez bien, surtout, de l'espace entre les cartonnettes. Donc ici, ça me fait à peu près 4 mm. Après, à vous de voir. Le mieux, c'est toujours quand on le fait, de, voilà, de manipuler, de voir et de regarder si, si pour vous, bah, voilà, ça... Vous arrivez à fermer comme vous le souhaitez. Donc, eh bien, prochaine étape, tout simplement, eh bien, on va venir coller les restantes cartonnettes. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Prochaine étape, je vais venir couper un petit peu mes surplus de papier, donc ici, aussi ici en bas un petit peu, je vais les séparer 3 et quelques centimètres ici, et là, idem, il me reste encore une belle marge, donc pareil, je vais laisser 3 cm, donc je vais venir couper hors caméra, et après on se retrouve pour continuer la structure de l'album. Donc là, je suis venue recouper un petit peu, donc maintenant j'ai marqué tous mes plis ici sur...
les quatre côtés. Donc comme j'ai fait précédemment, mais là du coup on n'a plus de cartonnette à coller, on a juste à rabattre. Donc on va rabattre du coup nos les quatre côtés, gauche, droite, haut et bas. Voilà, comme ceci. Voilà, et je continue, du coup, je vais faire hors caméra, je continue ici ma ligne, et ici je vais faire celle-ci, et ensuite on se retrouve. Donc voilà, j'ai bien ici mon haut, mon bas et mes côtés qui sont repliés. Je vais maintenant au niveau des quatre coins, donc je commence par celui-là, il va falloir faire la même chose pour les trois autres. Donc c'est un petit peu compliqué parce que c'est assez gros du coup pour filmer, c'est un petit peu la galère, mais bon, on va y arriver. Donc ici au niveau du pli, du coup de l'intersection entre les deux plis, celui-ci et celui-ci, on va venir couper, voilà, comme ceci, pour ensuite pouvoir ici rabattre ici nos deux côtés pour pouvoir fermer et faire notre mini. Donc bah du coup hors caméra je vais faire du coup les trois autres angles restants. Donc je suis venue couper ici mes quatre coins pour pouvoir ensuite rabattre ici mes côtés pour pouvoir faire terminer la structure, enfin presque terminer la structure de mon album. Donc en fait tout simplement ici, donc j'ai mis du double face sur les quatre languettes qu'on va venir coller sur notre cartonnette. Donc voilà, comme ceci, je rabats. Voilà, comme ceci. Et du coup, je viens faire exactement la même chose de ce côté. Donc là, c'est plus facile parce que on a moins de surface, c'est tout petit. Oh, j'ai plus d'ongles, je n'arrive plus à enlever mon double face. Hop. Alors idem, je vais venir coller, je vais venir rabattre. Voilà, donc hop. Donc, et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à faire le haut et le bas. Donc, je vais faire le bas avec vous et le haut hors caméra, c'est exactement le même principe. Donc ici, j'enlève, hop, mon double face. Vous pouvez mettre de la colle directement ou que du double face. Après, chacun sa petite technique, sa petite méthode pour venir coller. Surtout moi je mets de la colle ici contre les cartonnettes pour que ça colle bien en général. Petite, je sais pas si c'est une astuce ou, ou si ça sert. Enfin normalement ouais, ça doit aider après à coller ici au niveau du pli. Donc là hop, je rabats. La même chose ici.
contre, j'étale bien ma colle. Ici, on peut marquer au niveau des plis, hein, si vous voulez, puisque tout à l'heure, on va devoir plier. Vous voyez, ça donne ça. Et du coup, j'aime bien faire la même chose. Du coup, en haut, hors caméra, vous aussi, on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois qu'on a rabattu nos côtés, à gauche, à droite, en haut et en bas, voilà ce que ça donne. On va d'abord venir fermer le côté droit et ensuite le côté gauche. Et voilà normalement ce qu'on doit avoir. Alors pourquoi d'abord on met le côté droit après le côté gauche? Puisque cette tranche-ci est plus petite que celle-là. Donc voilà, tout simplement... pour ça, et ensuite après, oui, ça va être amovible. Voilà, comme ceci. Donc voilà, le gros de la structure est presque terminé. On va donc continuer notre tuto. Donc maintenant, pour continuer mon tuto, je vais venir recouvrir ici mes deux tranches avec du papier blanc. Donc pour cela, il me faut en fait des bandes de papier donc de base, donc ici blanc, plus large que mes tranches, donc plus large que 3,5 et que 3,3. Je vais vous montrer à peu près, il faut que ça dépasse de 3-4 cm de chaque côté. Donc ici, je vais faire comme ceci. Donc ça me fait, je vais venir couper, donc c'est une feuille A4. Hein. Hop. À 11,5, donc du coup, je vais faire deux bandes à 11,5. Donc j'ai donc venir couper sur ma feuille A4 deux bandes de 11,5 et ensuite je vais regarder pour la hauteur. Donc là j'ai bien mes deux bandes de papier. Je vais commencer du coup par celle de gauche. Donc ici vous voyez bien ça va recouvrir correctement notre tranche. Par contre ici au niveau de la hauteur je vais venir prendre la mesure directement sur mon album, sur mon mini. Donc je fais un petit trait. Alors, je fais ça tout simplement pourquoi? Parce que normalement ça fait 20,3. Donc logiquement on devrait avoir 20,3, pardon. Sauf que nous sommes venus recouvrir de papier et que des fois vous avez un petit millimètre en plus. Des fois ça fait 20,4. Donc c'est pour ça, moi je le fais directement sur mon album. Et là je vais vous dire combien ça fait, comme ça vous verrez. Hop, où est-ce que c'est? Ici j'ai 20, oh! J'arrive plus à mesurer, je vais y arriver. Ça fait 20... Ouais, 20,4. Donc c'est bien ce que je disais, voilà, on a un petit millimètre. Donc à vous de voir, vous prenez, voilà, bien en haut, votre mesure, donc vous mettez votre papier bien en haut, donc que ça dépasse pas non plus. Et ensuite ici, bah, vous venez tracer vos petits traits pour pouvoir venir couper à la bonne mesure. C'est ce que je vais faire. Donc là, du coup, pour le côté gauche, j'ai bien ma petite bande de papier qui va venir recouvrir... en haut et en bas parfaitement ma tranche. Donc ici je ferai la même chose après, donc là je la mets de côté pour l'instant. Ici vous voyez j'ai mis du double face et sur ma petite bande de papier à l'arrière je vais venir mettre de la colle pour pouvoir le coller directement dessus. Donc là je suis venue enlever, vous voyez la petite pellicule sur mon double face, je suis venue mettre de la colle, donc je viens coller directement, donc je fais bien attention à bien centrer sur ma tranche. Et ensuite, je viens coller mon papier. Donc je fais bien attention qu'en haut et en bas, ça dépasse pas, que ça soit... Et ici, en fait, je viens marquer mon pli. Ceci, je viens faire la même chose de ce côté pour marquer le pli. Donc j'étale bien en fait ma colle, donc je fais attention avec le plioir à pas trop que ça puisse que vous puissiez déchirer le papier, donc faites attention quand même. Donc allez-y délicatement, ensuite étalez bien la colle. Surplus, on enlève.
Donc ici, vous voyez, hop, je viens de recouvrir, du coup, ma tranche. Voilà, comme ceci. Donc là, pour celle de droite, on vient faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire, du coup, à gauche. Donc je le fais hors caméra. C'est tout simple, c'est exactement la même chose. Vous voyez, j'ai ma bande de papier. Là, il va falloir que je la recoupe ici au niveau du bas. Et après, c'est pareil. Je vais mettre du double face. Je vais le mettre là sur mes petites cartonnettes. Et ensuite, je vais venir coller, mettre de la colle et coller directement ici. Et marquer les plis. Donc, je le fais hors caméra. Je vous laisse le faire de votre côté. On se retrouve juste après. Donc, voilà. J'ai recouvert ici mes tranches. Vous voyez, voilà. À gauche et à droite. Donc là, je peux refermer. Pour finir ma structure d'album, je vais venir fermer avec un ruban. Donc là, j'ai pris du ruban blanc. J'ai choisi neutre. Vous pouvez prendre du rouge aussi. Parce qu'il y a pas mal de rouge dans les papiers. Après, ça dépend des papiers que vous aurez choisis aussi. Donc là, moi, j'ai pris un petit peu neutre, du blanc. Je trouve que voilà, ça passera bien. Donc du coup, je vais en coller une partie ici sur le devant. Donc vous voyez, j'ai ouvert, fermé comme ceci. Donc je vais coller ici sur le devant. Donc j'essaye de centrer. Hop. Voilà, je vais en mettre un autre. Voilà, comme ceci. Alors, le double face, pas trop près du bord, parce qu'après, si c'est trop près, comme en général, je laisse toujours 1 à 2 petits millimètres de... pour le papier que je viens coller par-dessus. Du coup, voilà, je préfère ne pas trop coller mon double face. Donc voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens, hop, tourner. Et je vais venir récupérer mon autre bout de ruban pour pouvoir fermer. Alors je suis désolée, des fois ça c'est un peu flou. Alors j'ai essayé de regarder pour régler ce petit souci. C'est qu'en fait c'est par rapport à ma luminosité. J'ai trop de soleil voilà, sur ma baie. Donc voilà, petite parenthèse. Je suis désolée si ça, des fois ça peut être un peu gênant. Donc je disais, on vient reprendre à l'arrière. Donc j'ai retourné, vous voyez ici mon album. Je viens ici reprendre au même niveau mon ruban pour pouvoir venir le coller ici. Donc exactement de la même manière, je vais venir mettre du double face, pas trop près du bord. Je viens prendre à la même hauteur, voilà, comme ceci. Hop, je remets encore une petite bande. Voilà. Je coupe le surplus. Et ensuite, je vais pouvoir venir faire mon nœud ici sur cette tranche-là. Vous voyez, ça va venir se fermer comme ceci. Donc on est loin d'avoir fini, mais on a déjà la structure de notre album. Donc vous voyez, mon nœud est beaucoup trop grand. Après, je viendrai le redécouper voilà, pour pouvoir venir fermer correctement. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je viendrai après peaufiner les derniers détails. Donc la première partie de notre tuto est terminée. Nous avons fait donc la structure de l'album avec la fermeture avec un ruban. Ici, on a du coup trois pages à faire pour la suite. Donc je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie du tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, au revoir.